Au Bzindia, je suis toujours privilégié le dialogue et je suis toujours à l'écoute de tous les partenaires de différents secteurs de l'économie et surtout les partenaires du social. Et nous sommes toujours très attentifs, surtout aux doléances qui finissent. Et mon gouvernement, dans la mesure du possible, finit toujours agir pour essayer de faire tout ce qui nous capable pour qu'il nous continue à améliorer la qualité de la vie de la population. Dimon kon mon engagement qui mon toujours prend parce que depuis qu'il me dans gouvernement depuis 2014 jusqu'à ce jour, combien ban action qui nous a mené, combien de mesures qui nous fin prend, les témoignent de combien quelque chose qui nous fait, non seulement pour la population en général, mais surtout pour les gens qui les plus vulnérables. Mais seulement, vous avez dit, nous pouvons vivre une période que depuis 2 ans, nous ne trouvons qu'une manière la pandémie fin affecter la production de bonnes commodités. Et ça finit dans l'impact, bien sûr, le prix, le coût de la vie. Et ça peut empirer avec la guerre qui finit déclarée en Ukraine. Et nous pouvons trouver là encore qui manière et encore plus problème la production de bonnes commodités de base même. Et qui manière donc le monde peut connaître une situation inflationniste sans précédent. Donc, mon gouvernement, nous peut toujours agir, comme on dit, nous toujours à l'écoute, nous toujours privilégier le dialogue, et seulement, les besoins basés, bien sûr, les faits, les besoins basés, la réalité, et mon gouvernement, en tout cas, pour continuer à agir, et d'une façon que, surtout, nous donnons l'attention particulière à ban du monde qui est plus vulnérable, et dans la mesure du possible, d'après les moyens, d'après la possibilité qui nous capable, donc nous pouvons continuer à aller dans cette direction-là. Je veux dire aussi que mon feeling déjà gagne certaines bonnes rencontres. Et bien sûr, nous pouvons continuer, et mon gouvernement, là, actuellement, il y a combien de rencontres qui peuvent avoir lieu avec différents partenaires de nos secteurs socio-économiques. Donc, la situation est telle que malheureusement, et dans certains dimuns, peut prendre l'avantage de sa situation difficile-là à des fins politiques pour aller faire une désordre. Et laisse-moi dire un mot quand même, là, ça, une désordre-là. Connaissez-vous un incident qui finit dans le lieu-là? Clairement, tu as bien préparé ça. Tu as préparé depuis un certain temps. Nous connaissons aussi qu'il y a certains politiciens qui sont derrière ce bande des autres là, pour aller puis instiguer du monde pour aller pour exprimer autres d'une façon qui m'ont considéré antidémocratique, qui parle contre la loi. Et d'ailleurs, si tout bon vrai patriote, moi aussi, je suis capable de ziser de sa manière qui c'est un groupe du monde là finazir. Bon, en tout cas, mon responsabilité comme un premier ministre et mon gouvernement, nous pouvons veiller à ce qui nous protège tous les enfants, tous les madames, tous les personnes âgées et tous les Mauriciens en général, pour qu'ils aient la sécurité dans le pays. Pour qu'ils, quand ils sortent d'une place par l'autre place, ils aient besoin de faire en toute sécurité, il ne faut pas qu'ils aient peur. Et moi, mon papa tolère aucun dérapage, aucun dimoun, ou groupe de monde qui peut servir la violence et qui a tout qui peut aller contre la loi. En tout cas, la police est dans mon soutien total pour qu'ils aient agir pour capable maintenir l'ordre et la paix dans le pays.